Salut tout le monde, c'est White, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo que vous allez absolument kiffer, puisque on va se retrouver sur un dans la peau du requin. Et je pense que pour apprendre les joueurs débutants ou intermédiaires, ou même confirmés pour certains, c'est tout simplement une série que vous aimez beaucoup. Je sais pas, peut-être qu'elle vous apporte beaucoup, donc en fait, je sais pas trop. Donc dites-moi dans les commentaires pourquoi vous appréciez cette série. Et cette fois-ci, comme ça fait longtemps maintenant que j'essaye de me chauffer en live, j'essaye de me chauffer en commentaire, tac, d'expliquer les choses un petit peu mieux. J'ai l'expérience live stream maintenant, donc je vais essayer de faire un dans la peau du requin, tout simplement en live pendant que je joue. We found the game. On est sur banque. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ici? On commence du côté attaquant. Peut-être une Ibana, qui sera très pratique pour la cuisine en mode skin de Halloween. Le bundle Halloween qui est disponible jusque, je pense, après Halloween. Voilà. Et du coup, je vais tenter l'insertion au bureau du PDG. Hop, c'est parti, on s'insère. Donc du coup, je vais pouvoir redescendre dans la cuisine par leur dos. Et on va descendre, je vais descendre doucement. Avec un peu de chance, je pourrais peut-être tomber sur quelqu'un. Alors, doucement. Là, j'active. Et là, de toute façon, je l'avais entendu, c'était sûr. Voilà. Et du coup, maintenant, on va pouvoir ouvrir. Alors, l'objectif pour moi, c'est de percer, pour leur mettre de la pression. Je vais essayer de mettre une petite gamer ici. On sait jamais. Voilà. Et droner un peu sur BP, savoir ce qui se passe, sachant que j'ai mis deux drones. Il y a un trou là. Trou rouge, effectivement, il y a quelqu'un contact. Et là, il va sûrement y avoir du monde serveur. Nice. Essayer de prendre un petit peu l'information. Alors, je sais pas trop combien de temps je vais pouvoir tenir ici. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un ou pas? J'ai l'air d'avoir toujours mon drone. Bouge pas. Bougez pas. Alors, on va aller là. On va sauter et c'est parti. On n'a pas le choix. Il faut enquiller. Je prends le contact B. Il n'y a personne. Je cherche. Il en reste plus qu'un seul. Il s'appelle Bandit. Et voilà, ça y est, c'est fait. La moins 3, magnifique. Et voilà. Donc du coup, moi maintenant, je vais essayer de prendre Ella, simplement, comme d'habitude, je vais essayer de verrouiller le top. Alors du coup, je vais pouvoir renforcer le top, je crois qu'on a croisé un abonné en face qui a du mal à croire que c'est moi. Je vais renforcer ça, et je vais essayer de jouer tout simplement sur l'open area, très safe. Parce que du coup, si je contrôle les trappes, il y aura tout simplement pas de pression sur la verticalité, et ça c'est vraiment pas mal. Du coup, l'objectif pour moi, ce serait vraiment de garder ces trappes pour moi. On va se mettre ça, GG wellplay. On va se protéger le bac. Je vais rester dans la petite cuisine. Je vais peut-être juste me sécure là. Et du coup, mes trois sont posés. Ramène-toi, je suis protégé par mes là. Si jamais il y a un contact sonore, je sais pas où ça rentre. Faut te motiver, gros, t'as pas le choix. J'ai eu. Et du coup, il y en a encore un là, contact. Va falloir que tu rentres. C'est pas à moi de faire l'erreur. Et du coup, je vais aller le récupérer. Je vais aller le jouer au top. Je sais où il va rentrer. Il m'a eu. Fait chier. Tombé sur un blitz. L'OHP de ouf. Tellement l'OHP. Merde. Alors, du coup, cette fois-ci, on va se faire plaisir. Je vais prendre un blitz. Chacun son tour. À moi, le petit poney malade, c'est vraiment l'objectif un peu de cette celle-là. J'ai envie de me faire plaisir au blitz, d'ouvrir au bouclier. Donc cette fois-ci, je vais essayer un push assez rapide sur BP. Et c'est dommage, mes alliés avaient pas l'air super bien en place sur BP, alors qu'on aurait pu faire un réel carnage pour la simple et bonne raison que j'avais le contrôle de la verticalité. Et ça, c'est super important. Il n'y avait pas d'avantage sur des positions hautes. C'est parti. Il n'y a pas de... Voilà, moins un. Et du coup, je peux essayer de descendre, prendre position sur BP. Et de deux. Thank you, man. Et du coup, ça y est, je peux descendre. Et je vais pouvoir descendre dans les stairs en essayant de prendre contact délicatement sur les ennemis. Oh! Dans le bouclier, ça fait plaisir. He was on A. Crouched. Aidor, crouched. Ok, d'accord. Là, il y a des petits problèmes de perspective, je crois, sur le jeu.
Attention. Ah, ça peut peut-être passer. Nice. Fall back, don't peek, Sledge, please. Allez, Sledge. Allez, gros, allez, gros. Oh. Nice. Nice, le move était très intelligent. Nice, les gars. Nice, boys. Félicitations. Insane. Lockers. Alors, ils ont l'air assez vénères, donc du coup, plutôt que de sécuriser la cuisine, ce qui n'a pas marché au premier round, je vais essayer de rester contact dans les escaliers serveurs. Peut-être est-ce quelque chose qui va fonctionner cette fois-ci. Alors, apparemment, ça attaque le garage. Last one is server. You got me. En tout cas là c'est pareil, et c'est vraiment dommage, ça c'est des persos qui sont pas rentabilisés, genre la Twitch qui ne pousse absolument pas. Elle a deux chocs drones, les miras sont pas ouvertes, et en plus elle arrive dernière dans le serveur. Et si elle le fait, bah c'est cool pour elle, mais c'est absolument pas mérité. Nice gros, nice gros. Si elle l'avait fait, ça aurait été une expérience vraiment terrifiante, et dommage, vraiment dommage. Oh nice, well played man. Je vais jouer Ibana parce que c'est pas très joué. Et techniquement, ils devraient de nouveau être en bas. Non, ils ont gagné. Donc ils seront au top. Ils seront au top. Est-ce que je ferais pas mieux de prendre un petit buck et de travailler dans les lattes? Ça serait, je pense, bienvenu de ma part. On pourrait peut-être prendre le top carré et faire une insertion bureau du PDG. Je vais par contre me mettre... Non, c'est bon, ça ira. J'aurais peut-être dû spawn ruelle par contre, j'aurais peut-être dû spawn ruelle. Alors, messieurs, dames, messieurs, dames. Ils sont évidemment archives, le pari est réussi. Est-ce que j'arrive à te bait jusqu'à l'infini? Hop, wesh. Bandit mon pauvre. Non dommage, j'arrive pas à sortir le drone vivant. Je voulais vraiment faire le malin là. Ça passe toujours bien quand t'es en vidéo. Alors du coup je vais prendre position dans le top carré je pense. Spawn kill lobby. C'est bon t'es cramé gros, ne le fais même pas. Là pour le moment y'a rien. Oh oh, on va droner le top carré. Top carré clair. Petit office clair. Le storage room clair. Le stock room clair. Donc là, bureau du PDG, c'est clair aussi. Je sais qu'il y en avait un dans le stop room, donc c'est bon. Et lui, j'aimerais bien qu'il vienne là. Et voilà, le bait qui passe, je savais. Je le savais, c'était obligé. Là, il y a personne. Allez. Mort. Va falloir que j'aille récupérer le diffuseur, il me reste 45 secondes et on est que deux. On va poser en espérant que je ne me fasse pas tuer. Et voilà, ça y est, c'est fait. We did it, we did it, and we won. On termine sur un petit 9-3 en 4 versus 5, ça fait hyper plaisir.
Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait extrêmement plaisir, ça vous aide un petit peu à voir comment on joue, comment on parle, ce qu'on fait, ce qui se passe un petit peu dans la tête, parce que malgré tout, c'est aussi un jeu stratégique, donc voilà, il y a des réflexions qui s'imposent, tout ça, toi-même, tu sais, tu connais les bails. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo dans les commentaires. En tout cas, pour moi, ici, c'est la fin. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Peace !